Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Koh Samui. Je vous propose aujourd'hui de découvrir à quoi ressemble Fisherman Village en ce 19 octobre 2021. C'est parti! Pour ceux qui connaissent le parking de Fisherman Village, qui est archi plein habituellement, bien, le voici. Et je vous propose une visite virtuelle. Malheureusement, la plupart des boutiques, même celles qui fonctionnaient, ont fini par fermer. Je crois que seule la pharmacie a résisté. Et encore, je vais vérifier, parce que j'avoue que moi-même, qui habite sur l'île, je n'ai pas eu l'occasion de revenir ici. Et bien, même la pharmacie est fermée. Voilà. Alors, on a... Fondamentalement, c'était vraiment un coin sympa, créé de toutes pièces, donc, en tout cas pour cette partie. Voilà, par contre, un peu plus de vie sur la partie qui est directement en bord de mer. On va voir ça. Skateboard, c'est nouveau. Koh Tams, qui est le lieu qui a vraiment résisté pendant la période du Covid avec une bonne clientèle très haut de gamme. Établissement idéal pour prendre un verre sur une plage sympa au moment du coucher du soleil. Ambiance lounge pour ce lieu très prisé des clientèles aisées de Koh Samui. Alors ici, pour ceux qui connaissent Koh Samui, c'était une des allées principales du marché du vendredi soir. On avait une partie ici, ça se rejoignait ici sur ce bord de mer. Et toute la partie sur laquelle je vais marcher, c'était le marché nocturne du vendredi soir. La Walking Street, comme on l'appelle ici. Et elle est complètement inexistante aujourd'hui, c'est fermé. On voit quelques échoppes qui essaient de commencer à ressortir à l'approche des nouvelles dispositions qu'a prises la Thaïlande pour une ouverture probable au 1er novembre. Bien, ça commence un petit peu à bouger. Alors c'était un quartier hyper touristique fréquenté exclusivement par la clientèle internationale. C'était plutôt bien fréquenté chez Fisherman Village. C'est un quartier qui est récent. Il a été construit il y a environ 7 ans, à peu près. Comme son nom l'indique, c'était un ancien quartier des pêcheurs. Ils ont été délocalisés et se trouvent maintenant dans le sud de l'île. En Thaïlande, on ne tergiverse pas. Voilà, quelques commerces quand même tentent de se prendre une petite part du marché. Mais à côté de ça, le désespoir de voir tous ces commerces fermés, c'est assez c'est triste. Et quelques commerces ouverts. Mesdames, pour le shopping,
c'était le lieu intéressant. Alors, on reconnaît ici des parties qui semblent être d'anciennes cabanes de pêcheurs réhabilitées. On retrouve ces maisons avec des façades en bois dans le quartier Thaï de Natone, la ville de Natone. Si vous avez l'occasion de venir à Koh Samui, arrêtez-vous dans cette jolie ville qui est vraiment typiquement Thaï. Un joli magasin pour vous mesdames. Il y avait son pendant à l'entrée mais il a fermé. Il reste celui-ci qui est un bel établissement pour des jolies choses. Certaines agences immobilières n'ont pas résisté, mais souvent elles ont plusieurs bureaux et certains restent ouverts ailleurs dans des centres névralgiques plus vivants qu'aujourd'hui, parce qu'en dehors des personnels, il n'y a pas grand monde dans les magasins. Je vous conseille ce joli magasin qui a de belles petites choses à s'acheter quand on est en vacances ou de la décoration. Une pharmacie ouverte et un magasin de maillots de bain qui intéressera mesdames et messieurs. Si vous voulez vous équiper ici, c'est une bonne marque. Voilà, on se situe à un coin vraiment névralgique du quartier Fisherman, avec dans mon dos un établissement qui est connu et fréquenté notamment des Français, qui s'appelle le Karma. Alors là, on se trouve sur la plage de Bophut, B-O-P-H-U-T. Donc Fisherman Village fait partie du territoire de Bophut. C'est la plage que l'on a vue à partir du Koh Tham tout à l'heure. C'est pas la plus jolie plage, à vrai dire on vient plutôt à Fisherman Village pour sa partie commerce, restaurant, shopping. Donc, en face du Karma, il y a une route qui part vers notre entrée du Fisherman Village. On continue à s'avancer. C'est vrai que lorsque les commerçants habitent directement sur place, certains ont résisté et ont maintenu leur commerce ouvert. Je rappelle que j'ai fait cette vidéo parce qu'on demande régulièrement à quoi ressemble Koh Samui en ce moment. Donc ça vous donne une petite idée, tout au moins pour ce quartier de Fisherman Village. En ce 19 octobre 2021. Quelques établissements en profitent pour se développer ou pour être réhabilités. Alors c'est vrai que lorsque l'on voit cette désolation, ça fait peur, ça inquiète, on se demande comment le tourisme va pouvoir reprendre dans ces quartiers-là. D'autant que vous avez connu ces problèmes-là en France, en Europe. Il va y avoir un défaut de clientèle, un défaut de personnel vraiment grave. Voilà, tout ce coin-là est complètement fermé.
L'accueil thaïlandais, c'est vraiment quelque chose, mais forcément ici, ils sont très attentifs à l'accueil. Sawadika. Pour autant qu'ils aient envie de sortir le nez du téléphone. Alors on se demande vraiment ce que vont devenir ces quartiers hyper touristiques. Là je vous montre Fisherman Village ce soir. Mais Shawang Beach, c'est encore pire. Là il y a encore quelques restaurants qui maintiennent le cap avec la clientèle. Mais sur Shawang, qui est essentiellement fréquenté par la clientèle touristique, c'est mort complètement. Il n'y a plus de commerce vivant. Il n'y a plus de restaurant. Je suis très contente parce qu'il y a un petit restaurant en thaï qui a résisté. Ça va les cas, Kaponka. Voilà, il a résisté. Je venais manger là quand j'avais la possibilité. Il y a une petite salle derrière et on y mange très bien. Si elle est toujours ouverte, je vais essayer de vous la montrer. Donc je disais, les quartiers comme Shawang sont vraiment morts. Alors on ne sait pas à quel rythme le tourisme va reprendre. Novembre étant la très basse saison habituellement, ça va reprendre tout doucement, on imagine. Donc soyons optimistes et objectifs, ils vont bien finir par les laisser rentrer de nouveau. On l'espère vivement. Bon là ils ont fait une évolution. Il y avait déjà une espèce de place qui marchait pas trop fort. Et je vois qu'ils ont un peu bétonné. Mais bon, quand même, ça laisse entendre qu'ils ont envie de poursuivre les améliorations de ce quartier. Et donc, ça donne de bons présages sur sa réouverture. Un petit clin d'œil à mon ami Paul qui aimait bien venir boire son petit café ici. Donc si j'avais un conseil à vous donner concernant vos prochaines vacances à Koh Samui, déjà j'ai répondu à la question sur la météo dans une précédente vidéo, sachant que la meilleure période c'est quand même à partir de mi-janvier jusqu'à, on va dire, jusqu'à mi-mai. À votre place, j'attendrai un petit peu pour prendre le billet d'avion. Mais je pense que vous pouvez raisonnablement commencer à vous préoccuper de repérer les lieux où vous voudriez aller et vous poser. Alors, je vous parlais de bonnes adresses. Je ne sais pas s'ils vont résister au regard du panneau d'affichage que je vois ici, mais bon. Il y avait un petit restaurant thaï qui était directement sur la plage, un des seuls authentiques restaurants thaï du village. Bon, maintenant il y en a quelques-uns qui se sont également installés. Petit restaurant thaï bon, qui ce soir est fermé, mais visiblement ils ne sont pas fermés tout le temps. Directement sur la plage. Et pour manger en soirée, prendre l'apéritif, c'est quand même plutôt sympa. Parmi les questions que l'on me pose régulièrement, donc au niveau budget, il est clair que si vous allez manger dans les quartiers internationaux comme celui-ci, que ce soit Fisherman Village, Shawang Beach, Lamai Beach, évidemment, vous allez trouver toutes sortes de budgets et ça, vous pouvez manger entre 100 bahts et 1500. Il y a sur l'île une grande disparité au niveau des grilles de tarifs. Si vous mangez local, vous allez pouvoir manger à petit budget. Mais n'oubliez pas que de temps en temps, vous aurez envie de vous faire plaisir dans des quartiers comme celui-ci. Soit parce que c'est un jour de marché, quand généralement on fait du shopping et on a envie de manger sur place. Soit parce que finalement vous avez envie d'aller visiter telle partie de l'île. Et si vous suivez mes petits conseils, vous pourrez alterner les petits et les gros budgets. De crêpes, la vente ambulante, pancakes. Ça c'est vraiment une institution ici à Koh Samui, mais sans doute un peu partout
en Asie. Ce sont souvent des Népalais qui tiennent ce genre de commerce. Alors on parlait de bonnes adresses. J'aimerais vous conseiller cet établissement qui s'appelle Krua Bokut. Je crois que Krua, ça veut dire la cuisine. Alors, c'est un établissement où on est bien reçu avec costume traditionnel et on est directement sur la plage. Sadeka. Donc on est reçu en costume traditionnel et on peut manger directement sur la plage. Alors c'est suffisamment rare pour que j'attire votre attention là-dessus, avec de vraies serviettes, des bougies, des fauteuils confortables. Voilà le triste sort de Fisherman Village. Parmi les nouveautés, eh bien, se trouve cet hôtel qui est en construction ici. La maison des esprits, elle n'a pas bougé. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais publier prochainement de nouvelles aventures de Koh Samui et j'espère que vous me tirez un commentaire pour me dire que vous allez venir prochainement. À bientôt! Bye bye!